Salut à tous, c'est Christopho. On se retrouve aujourd'hui pour cette septième ronde de. Attends, je vais désactiver l'ordi. Du tournoi B de Dieppe. Où cette fois-ci je rencontre un gamin du même club que moi. Donc, j'ai les noirs. Et dans une de ces parties qu'on a vu dans une ronde précédente, on avait un petit peu analysé. J'ai cru me souvenir qu'il jouait E4 et que quand son adversaire avait joué une Sicilienne, E5, il répondait le Gambit Mora. Donc je vais vous montrer ce que c'est parce qu'en fait je me suis préparé du coup contre ce truc-là. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Gambit Mora, Smith Mora Gambit, c'est. Bon, on joue D4 comme ça très vite. Et après C3. Donc j'ai accepté, ce qui fait que j'ai un pion d'avance, mais zéro développement, et c'est un truc très dangereux pour les noirs. Et je connaissais un petit peu, je connaissais surtout un piège que je vous montrerai. Mais en réalité, ils connaissaient plus loin que moi. Dame C7, Dame E2, tout ça, c'était des coups normaux. Là, je m'attendais à ce qu'il rock. Donc, s'il rock, c'est là que je connais un petit piège. Je me demandais si lui il le connaissait parce que une fois j'ai battu dans une partie rapide un 1950 comme ça en 8 coups. Il a joué H3 et là le piège s'appelle le piège sibérien. C'est qu'on joue cavalier D4 et abandon. Parce que la dame est attaquée. S'il prend le cavalier, il y a mat. Et s'il bouge la dame, il y a mat aussi. Donc ben il peut juste rien faire. Il peut rien faire du tout. Il est obligé de perdre la dame, il est obligé de défendre la menace de mat. Par exemple, en prenant ce cavalier. Et là, il a deux cavaliers pour la dame. Donc la partie peut peut-être continuer, mais bon. C'est ça le piège sibérien. Donc lui, il connaît ça très bien et il a joué E5. Donc ça, je m'attendais pas à E5 sans roquer. Apparemment, c'est normal. Bon, j'avais quand même regardé ce qui se passait s'il me le jouait. Cavalier G4 et après il va y avoir des soucis pour le défendre. En fait pas tant que ça puisqu'il y a juste fou F4. Et là ouais, j'ai joué D6 qui est pas un bon coup d'ailleurs. Qui est un coup totalement perdant. Quand je vous disais que cette ouverture était dangereuse. Donc son pion a attaqué 3 fois. Lui menace de jouer H3 et après mon K n'a plus de bonne case. Donc j'ai joué ça pour attaquer le pion une quatrième fois. Je pouvais aussi jouer F6. Mais ça paraît douteux de jouer F6. En réalité maintenant je sais que F6 c'est le bon coup dans cette position. Et leur dit, enfin, les bases de données des parties montrent que les maîtres jouent soit F6, soit D5. Alors, quelle différence entre D6 et D5? Bah, c'est que moi je jouais D6 et là il a le temps de jouer cavalier B5. Alors, le problème évidemment c'est que ma dame est attaquée. Et mon pion est attaqué. Donc maintenant 3 fois. Donc par exemple si je joue dame D8, le pion est mort et là c'est horrible quoi. Avec un pion comme ça, toutes mes pièces sont bloquées. C'est limite, on peut déjà abandonner, donc il n'était pas question de faire ça. Alors heureusement, je vois que j'ai Dame A5 qui a l'air de tenir, puisque ça fait échec. Donc si par l'échec, ça va me laisser le temps de jouer D5,
ou alors d'échanger, je sais pas. Sauf s'il parle échec avec fou D2 qui attaque madame. Donc c'est ce qu'il a fait. Et là j'avais prévu de replier madame en D8, ce que j'ai fait. Et puis là je me dis, tiens, bah, si je joue fou G5, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre? Alors, peut-être répéter les coups. Et là, je me souviens plus ce qu'il faut que les blancs fassent. C'est quand même vraiment pas facile à trouver. Parce que si par l'échec comme ça, par exemple, un peu n'importe comment, ben, ça me laisse le temps de jouer D5. Ce sera pas B4. Dame D2. Je sais pas trop. On regardera avec l'ordinateur après. Je vais vous montrer la suite de la partie parce qu'en fait il a pas trouvé fou G5. On était où? Là. On était là, il a joué fou F4. Comme il s'arrêtait en F4, j'étais content. Je pensais qu'il irait jusqu'en F5. Donc là maintenant j'ai le choix entre D5 et D prend E5. Idéalement j'adorerais pouvoir jouer D5 pour chasser ses pièces et après A6 et garder son fou bloqué derrière son propre pion. Mais le problème c'est qu'après tout ça, il va pouvoir jouer à un moment donné H3 et mon cavalier n'a pas de super case, il va être obligé de venir en H6. Et ça m'a semblé être quand même un problème. Donc j'ai choisi d'échanger en vérifiant bien que après les échanges j'ai pas de problème particulier malgré toutes ces pièces qui sont assez proches de mon camp. Donc j'ai échangé, là ça il est obligé de tout d'accepter tous les échanges. Mais j'ai ce petit échec intermédiaire qui coûte rien, qui développe une pièce et quelle que soit la façon dont il va parer l'échec, ça pose un problème. S'il bouge le roi, bah, il pourra plus roquer. S'il part avec le fou, ça ne fonctionne pas parce que je vais échanger. Et ensuite, il perd une pièce. Il a besoin du fou pour défendre le cavalier. Et s'il part avec le cavalier, je pensais qu'il allait jouer ça d'ailleurs. Je pensais que c'était le moins pire des trois. Disons, je suis content. Que son cavalier ne soit plus en train de menacer toutes ces cases de mon camp. Mais en fait, il a joué roi F1. Donc là, j'ai continué les échanges. Et à ce moment-là, j'ai plus vraiment de problème. Bah d'ailleurs, je suis même mieux puisque j'ai toujours le pion d'avance du Gambi. Donc j'ai tout simplement roqué. Et là, il n'a pas joué un bon coup, il a joué cavalier C7, et il a joué beaucoup trop vite d'ailleurs. Les autres coups il avait été lent, même très lent à les jouer, excepté dans les tout premiers coups de l'ouverture parce qu'il connaissait très bien. Mais là il a joué ça en attaquant ma tour. Il avait calculé assez loin, il avait vu que si ma tour bougeait, en fait il faisait cavalier E8 qui attaque à la découverte ma tour non défendue. Et donc, j'arrive pas à me souvenir c'est quoi l'idée, parce que qu'est-ce qui se passe si je vais en A8? Ah oui, c'est pas terrible. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc il avait vu ça. Mais en fait, j'ai un petit coup intermédiaire qui fait très mal. C'est que ma tour a pas besoin de bouger. Fou D6, j'attaque la dame, j'attaque le cavalier, donc quoi qu'il fasse, il perd une pièce. Donc il a pris un pion pour la pièce. Bon, et puis après, bah, la partie n'a plus grand intérêt, j'ai juste une pièce d'avance. Est-ce que si j'ai pas paniqué, j'ai joué solide, j'ai bien pris mon temps.
Donc là, bon, j'hésitais à jouer tour prend F2, qui gagne un pion, qui fait échec, et puis après, tous les pions vont tomber. Enfin, pas tout de suite, parce que qu'elle sera en prise. Mais j'ai préféré jouer un coup qui simplifie, pour qu'il ait plus qu'une seule tour, parce que je veux pas qu'il ait deux tours sur la septième rangée. Pas que ça devienne une préoccupation, une possibilité. Donc, c'est-à-dire maintenant qu'il a réussi à activer ses tours, je préfère échanger puisque j'ai toujours une pièce d'avance. C'est pas la peine de se précipiter sur le matériel. Et puis là, il a commencé à monter son roi dans mes pions. Donc, vu que tour D4 commence à créer des menaces de mat, bah juste si je joue n'importe quel coup là, ça c'est mat. Donc j'ai tour D4, c'est ce que j'ai joué. Force F4, c'est ce qu'il a fait. Et après, j'ai joué H5 pour retirer cette case de fuite. À ce moment-là, il a encore le temps de jouer roi H4. Mais il a joué H3. Donc là, c'est fini. Fou D8. Et il a abandonné, puisque tout ce qu'il peut faire, c'est tour D7. Et ensuite, c'est mat. Donc voilà, encore une partie bizarre où je me plante dans l'ouverture. Enfin, je me plante dans l'ouverture. Je pense pas qu'il connaîtrait aussi loin. Donc ça, c'est pas bon. Il faut jouer F6. Ou alors apparemment D5 qui existe aussi. Et pourquoi D5 marche alors que D6 marche pas? Parce que D6, il a le temps de jouer ça. Et après, je regrette de ne pas pouvoir jouer D5. Et si je joue D5, bah là, tout ça, c'est plus un problème. Quoique, il va quand même mettre son cavalier ici, non? Ouais, j'ai indiqué qu'on mettrait l'ordi. Pourquoi ça marche plus pareil? Ok. Parce qu'il a une pièce en prise ici qui change tout. Et donc deuxièmement, il peut pas recapturer mon pion ici et avoir un méga pion comme on a vu tout à l'heure dans une variante. C'est-à-dire s'il veut le recapturer, il doit le faire tout de suite en passant. Donc ça lui laisse pas le temps de jouer cavalier B5 à ce moment précis. Maintenant voilà, le coup normal, ce serait plus F6, paraît-il. Ça après, je connais pas. Quand même cavalier B5, dame A5. Ok. Alors je reviens à la partie. Donc D6. Ça. Et donc pourquoi fou B5 est gagnant alors? J'arrivais pas à vous montrer. Disons que je joue comme dans la partie. Et là c'est B4. Ça fait que répéter les coups. Ah oui, bien sûr. B4, on a l'impression de donner un pion. Mais si on prend avec la dame. Ah oui, il y a échec. La dame doit s'en aller. Ah, ça devient compliqué. Ah oui, il peut roquer. Et après, il va avoir la fourchette en fait. Et ah oui, non, je peux pas jouer ça parce qu'il y a échec et madame est en prise. Ouais, enfin quoi qu'on fasse. Et ça va pas. Ok. Et donc si on prend avec le cavalier.
Il prend juste le pion. C'est vrai que c'est aussi ça le rôle de cavalier B5. Je reviens à cavalier B5, c'est d'attaquer aussi ce pion. Ouch! Donc voilà, le Gambit Mora, c'est un... Bah, on sacrifie un pion, mais les noirs doivent faire ultra, ultra attention et il faut bien, bien, bien connaître pour pas se faire avoir. Alors, je croyais connaître assez loin, mais en fait non. Donc voilà la partie maintenant. Et donc ouais, là, à un moment, j'ai hésité entre... pousser et prendre. Alors, je pense que si je prends avec le cahier, ça change pas grand chose, on échange tout de la même façon. Et pousser le pion, ouais, ça me donne envie de jouer tous ces coups là. Et donc je joue un coup normal, qu'est-ce qui se passe s'il fait H3? Ouh, G4. G5, pardon. Je veux bien, mais il faut quand même que mon cahier s'en aille. Ah! Ouais. C'est malin. L'ordi il est malin. Forcément, une fois qu'on a joué G5, ok, il peut venir là sans se faire échanger. Ok. Parce que si on faisait autrement. Non. C'est pas vrai. Si on joue ça. Il dit quand même 0, très léger avantage blanc. Il prend même pas. Bizarre ça. C'est vrai que les blancs ont peut-être pas envie de roquer maintenant. Donc il fallait peut-être juste laisser faire ça. Ouais, c'était pas mal aussi. Ceci dit, l'échange est quand même bien. Alors, je reviens à la partie à nouveau. Apparemment, là, il fallait que je joue tour D1. Parce que juste accepter l'échange lui posait trop de problèmes. À cause de fou B4. Donc le thème de cette partie, c'est les coups intermédiaires, en fait. Très très important dans la tactique. C'est-à-dire, il crée une menace, mais au lieu de répondre à la menace, je crée un coup intermédiaire. Boum. Et la partie est finie. Après, il se passe plus rien. Et... voilà, mais au début aussi, il m'a eu avec un coup intermédiaire. Tout ça, des coups plutôt normaux. Et là, je crée... bah, une question, je sais pas si on peut appeler ça une menace. Si, c'est une menace, puisque il a un pion qui a attaqué 4 fois, défendu que 3 fois. Je menace de le prendre. Donc, au lieu de... il veut pas le défendre mieux. Mais au lieu... bah... d'accepter la prise, ce que je croyais être obligé, il peut faire un coup intermédiaire. Boum. KB5... il attaque la dame, que j'avais pas vraiment vu. Si, j'avais vu, mais je croyais que... j'avais vu dans plein de variantes précédentes, parce que c'est un coup qu'on surveille tout le temps, dans cette, surtout dans cette ouverture. Et à chaque fois, c'est on répond dame B8, mais là, ça, c'est pas du tout ça, ça marche pas. Parce que j'avais pas vu que B5 attaquait aussi le pion en D6. Heureusement, j'ai de ce dame A5 qui me sauve plus ou moins la coalition qui joue pas fou G5. Bon, bref, on va pas répéter tout. Coup intermédiaire, voilà. KB5, c'est un coup intermédiaire. Ça aussi, c'est un petit peu un coup intermédiaire. Non. Non, parce que j'ai bougé la dame. Ça compte pas comme un coup intermédiaire. Ça, c'est un coup intermédiaire, voilà. Il y en a un troisième, un vrai coup intermédiaire. Mon cavalier est attaqué, on va... la première vue, c'est qu'on va poursuivre l'échange. En fait, coup intermédiaire, boum. Donc voilà, pensez au coup intermédiaire et vous progresserez aux échecs. Ok. On va revenir à la position de la fin. Donc, 2 victoires de suite. C'est encourageant. Il reste plus que 2 rondes avant la fin. A bientôt, salut!